3 fois 20 ans, bon pied, bon œil, qui prépare depuis le 1er mai ce beau vélo. Oui, depuis très longtemps, je m'étais donné ce défi. C'était mon projet et voilà, je l'ai préparé jusqu'au bout des ongles. Sport, démarche intellectuelle, enfin j'étais tout le temps dans mes bouquins ou sur mon vélo, à pied, pas à cheval et... Alors les résultats rapidement de ces épreuves, le défi sportif avec Christiane malheureusement a marqué 7 points et Nathalie 10 points, hein, Nathalie un petit peu plus jeune peut-être... voilà, avec une longueur d'avance, la chasse au trésor, 0. On n'a pas trouvé l'objet aujourd'hui, c'est la première fois que ça arrive cette saison. Absolument. Et le quiz culturel, Nathalie qui avait moins de temps de préparer a seulement marqué 7 points, Christiane 9. Et au total, on avait, je vous demande de l'applaudir, 16 points pour Christiane. Bravo. Et 17 points pour Nathalie. Ouais. Et alors, il s'est passé quelque chose qui n'est jamais arrivé, et je vais laisser tout à fait la parole à Christiane ou même à Nathalie. Tenez, expliquez-nous toutes les deux ce qui s'est passé quand on a annoncé les résultats. Eh bien, j'ai demandé si je pouvais donner mon billet d'avion à Christiane. Et donc, moi, je reste et Christiane part pour le Ravel de la Guadeloupe. Et disons, on a fait tout ce chemin ensemble. J'ai appris à connaître Christiane et le Ravel, c'est un beau réseau de solidarité, d'amitié, de rencontres. Et je pense que c'est très important pour Christiane qu'elle puisse partir. Donc je pense que c'est plus important pour elle que pour moi. Donc je lui offre mon billet d'avion. Et apparemment, Vivacité a accepté. Donc c'est Christiane qui part en Guadeloupe. Et je suis très heureuse de faire ce cadeau parce qu'elle gagne le voyage et moi je gagne une amie.